السلام عليكم aujourd'hui on va voir le deuxième leçon des activités orales la question numéro 1 je comprends je comprends quels sont les personnages représentés sur la première image quels sont les personnages représentés sur la première image une maman et son fils. Très bien. Une maman et son fils. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils Elles sont dans le salon de la maison. Ils sont dans le salon de la maison. Que font-ils? Que font-ils? La maman aide son fils à préparer son cartable. La maman aide son fils à préparer son cartable. De quel moment de la journée s'agit-il Qu'est-ce qu'il indique De quel moment de la journée s'agit-il Qu'est-ce qu'il indique C'est le soir parce que il y a l'image de la lune. C'est le soir parce que il y a l'image de la lune. On passe maintenant à la deuxième image. Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image Quels sont les personnages représentés sur la deuxième image Bien, les personnages représentés sur la deuxième image, c'est Zineb, sa petite sœur et leur papa. Les personnages représentés sur la deuxième image, c'est Zineb, sa petite sœur et leur papa. Bien. Où sont-ils Où sont-ils Elles sont dans le salon de la maison. Elles sont dans le salon de la maison. Que fait le papa Que fait le papa Le papa leur lit une histoire. Le papa leur lit une histoire. Kofonzinébe et sa petite sœur. et sa petite sœur. Ils écoutent leur papa qui lit. Ils écoutent leur papa qui lit. Maintenant les enfants, on va passer à lire le texte de cette histoire. On va passer à lire le texte de cette histoire. C'est le soir. Ma famille est dans le salon. Maman aide mon frère Youssef à préparer son cartable. Papa lit à ma sœur Saina et moi une histoire. C'est une belle soirée. Je répète. C'est le soir. Ma famille est dans le salon. Maman, aide mon frère Youssef à préparer son cartable. Papa lit à ma sœur Saina et moi une histoire. C'est une belle soirée. Quels sont les personnages de ce texte? Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont Zineb. Sa maman, son frère Youssef, sa sœur Sana et son papa. personnages de ce texte sont Zineb, sa maman, son frère Youssef, sa sœur Sana et son papa. Très bien. Que fait Youssef Que fait Youssef Youssef prépare son cartable. Youssef prépare son cartable. Que fait la maman Que fait la maman La maman aide Youssef. La maman est Youssef. Que fait le papa? Que fait le papa? Le papa lit à Zineb et à sa sœur une histoire. Le papa lit à Zineb et à sa sœur une histoire. Que font Zineb et Senna? Que font Zineb et Senna? Zineb et sa sœur Senna écoutent leur papa. Zineb et sa sœur Senna écoutent leur papa. Je passe maintenant à la page suivante. La question numéro 2, je produis. Je produis. Dans cet exercice, les enfants, on doit dire ce qu'on observe dans les photos. Dans cet exercice, on doit dire ce qu'on observe dans les quatre photos. Je commence avec la photo numéro 1. C'est mon frère Youssef. Il est dans sa chambre en train de préparer ses devoirs. C'est mon frère Youssef. Il est dans sa chambre en train de préparer ses devoirs. Je passe maintenant à la deuxième photo. C'est mon frère Youssef et ma maman dans le salon. C'est mon frère Youssef et ma maman dans le salon. Mon frère Youssef prépare ses devoirs et ma maman aide mon frère pour préparer ses devoirs. Mon frère Youssef prépare ses devoirs et ma maman aide mon frère Youssef pour préparer ses devoirs. Très bien. Je passe à la troisième photo. C'est mon papa qui ramène mon frère Youssef à l'école. C'est mon papa qui ramène mon frère Youssef à l'école. Je passe à la quatrième et à la dernière photo dans cet exercice. C'est ma sœur. Elle est en train de préparer son cartable. C'est ma sœur. Elle prépare son cartable. Je vous souhaite les enfants un bon apprentissage et à la prochaine, Inch'Allah.